Salut voyeurs. On n'est pas bien là? On est parti à 4h du matin, ouais. Là il est 8h, ça fait 4h qu'on roule, on n'en peut plus. On voulait se trouver un petit bout de plage pour se poser avec notre café. Compliqué. Hein. Que des resorts tout du long. Ouais. Ah là là, ça commence mal cette journée. 4h du matin on est parti. Ouais. T'as filmé la sortie de l'hôtel, il faisait clair, maman. Ah oui, j'avais oublié. Non, c'est une blague, on est parti il n'y a pas longtemps. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on voulait se trouver... On a pris un café ouais. Take-away pour aller... Emporter. Ouais. Oui, parce que maintenant, je parle anglais. Oui, oui, oui. Et donc, impossible. On arrive près de Da Nang quand même, parce qu'on n'est pas très très loin. Non, hein. Non, on est vite à Da Nang, avec 30 bandes entre Hoi An et Da Nang. Et là, on roule, on roule. On cherche de quoi rejoindre la plage, on n'y arrive pas. C'est vrai, comme tu le dis, il n'y a que des resorts. Pourtant, Map nous met qu'il y a des accès, mais ils ne doivent pas être à jour parce que tout est fermé, c'est opaque. Y a un accès, mais il faut passer le portail de sécurité de l'hôtel pour pouvoir aller à la plage. Et ça, c'est pas possible. Eh bien, écoute, c'est pas mal, on est bien là. Oui, au bord de la route, comme ça. Oui, hein. C'est comme ça. Mmh. On nous entend, c'est l'essentiel. Donc, on roule aujourd'hui, on remonte vers le nord. Bah tiens. C'est bizarre ça, non? C'est un scoop. Aujourd'hui, on devrait faire dans les 150 bornes, ça va? Oui, pas trop. Non, on pourrait faire beaucoup moins. Oui. Mais on va partir à gauche, à droite, et du coup, on en fait un peu plus que prévu. Oui, ça a fait du bien quand même, ces deux petites journées là. Au popotin? Oui, au popotin. On est devant l'hôtel Marriott, il y a un superbe jardin avec des fleurs. Et apparemment, c'est un spot photo, hein. Tout le monde est là, selfie, photo de famille, c'est extra. Une petite pause sur la plage de Da Nang. C'est grand, hein. Moi qui rêvais de plage. Là t'en as une. Là je suis servie. Je sais pas la longueur, mais un but d'œil comme ça, il y a au moins 10 bornes. En regardant vite fait sur Map avec l'échelle, il y a au moins 10 bornes de plage, là, 5 de chaque côté. C'est énorme. C'est immense. Hein. En tout cas, de ce qu'on voit, c'est beaucoup de touristes occidentaux. Mais avec tous les resorts qu'il y a derrière, c'est un peu normal aussi. Hallucinant, c'est une ville démesurée. Les immeubles, enfin les hôtels, parce qu'il y a énormément d'hôtels grand luxe, sont gigantesques. Les avenues, c'est des 2 fois, 4 fois. Tout est démesuré. Ouais, les bars, ils peuvent accueillir 3000 personnes. 200 personnes, c'est dingue. On n'a pas trop la météo avec nous aujourd'hui. Hein. Non, mais les couleurs sont pas trop mal, j'aime bien. Mais bon, en même temps, pour rouler, c'est bien aussi de pas avoir le soleil qui cogne comme ça. À Da Nang, vous avez le choix. Hein. Da Nang, c'est 90 km de côte. Donc la plage qu'on a vue tout à l'heure, elle est là-bas, mais derrière la pointe. Par contre, ici, vous avez une plage bien plus sauvage, qui est magnifique. Ça vaut le coup. Elle est immense également. On hein. choisirait celle-ci. Elle est immense. Wiki, je sens des gouttes. Oui, je sais, ça fait quelques kilomètres qu'on se prend des petites gouttelettes. C'est pas la fin du monde, mais j'ai pris un itinéraire où on doit monter un col.
plutôt que de prendre la route traditionnelle. J'espère que ça va le faire et qu'on aura de la visibilité. Et pas de pluie. Ouais. Nous sommes sur une pause plan pêche. Et oui, parce que les bateaux sont différents d'habitude. C'est vrai. Donc il faut s'arrêter. Et surtout, on a parcouru une route magnifique. On s'en fout. Quoi, on s'en fout ? Revêtement nickel, sécurisé. Franchement, magnifique. Oui. Pour les routards en moto, c'est top comme route. Sinon, il y a la nationale. Parfait. C'est bon, t'as fini ton petit bazar? Ouais, mais c'est l'heure de manger. Et je trifouille à droite et je trifouille à gauche. De quoi? Oh, arrête, et j'ouvre mon sac à main et je range mon slip. Sac à main, ouais. C'est vraiment pénible. Ce bon, midi. Vas-y, envoie. Oui, riz, œufs frits, escalope de porc, deux petites rondelles de concombre, de un salade. Bouillon, de la salade. Un Pepsi, un verre de Pepsi offert également, ça la fait carotte. Partie du menu. Et tout ça pour 1,10€ par personne. Franchement, on est bien. Bah, dès qu'on sort des grandes villes, il n'y a pas à tortiller. Sauf parfois quand ils nous voient arriver avec nos gros sabots. Ouais, ça arrive, ça arrive. Mais bon. T'as goûté cette sauce ou quoi? Non, pas du tout. Alors? Alors ça va. À la fin, ça pique quand même. Mais c'est mangeable sans problème. Et c'est ce qui est bien. Un truc incroyable. Ah bon, attention. Roulement de baguette. Non. Souvent, ils vous servent l'escalope de porc comme ça, ouais. Et il n'y a pas de couteau, pas de fourchette. Ouais, et elle n'est pas coupée. Et elle n'est pas coupée, ouais. Donc, t'es obligé de la prendre avec tes baguettes. Ouais, et croquer dedans. Ouais. C'est pas très pratique, je trouve. Non. Il y a des restos, ils la coupent tac, tac, tac. Si on y pense, dans ton petit sac noir, t'as deux couteaux. Ah. Elle va penser. Peut-être parce que c'est pas les miens. Oh. Il est incroyable. Quoi? Je lui dis, vas-y, prends les couteaux alors, c'est une bonne idée. Il me dit, oh non, après il va falloir les nettoyer. Je préfère galérer comme ça, et au moins pas de vaisselle. Bah tu vas nettoyer tes mains, bonbon. Mais c'est pas pareil. Arrête. Oh, je te jure. Tu es essuré dans ton short. Tu m'attends peut-être? Bah oui, je t'attends. Allez, faut mettre de l'essence. C'est beau, hein. Heureusement que j'ai dit stop, hein. Sinon on l'avait pas celui-là. Mais arrête. La tête dans le guidon, là. N'importe quoi. Toi t'es Mister Église et moi je suis... Il y en avait une là, j'ai même pas le droit de m'arrêter. Et encore un petit raccourci, m'amour. La pêche, toujours la pêche.
t'avais dit qu'au bord de la route, on serait nettement mieux au niveau luminosité. C'est ça. Tu veux jamais m'écouter. On est assis dans le fond, le téléphone il charge là-bas derrière. C'est faux, c'est complètement faux. Bon, en tout cas, tu vois ça? Oui. Ben moi, c'est à la fraise, un thé à la fraise glacé, bien sûr, avec des billes de tapioca, toujours, mais cette fois-ci, non sucrées. Elles sont translucides. Ouais, au naturel. Et pour moi, ce sera un thé à la menthe citron. À cette occasion, nous remercions les tipeurs qui ne sont autres que Giovanni et sa femme. Ainsi que Marie-France et Bruno. Oui, Giovanni, t'es sympa, la prochaine fois, tu nous donneras le prénom de ta femme. Ouais. T'as vu un peu l'annonce, Giovanni et sa femme. Enfin, ça le fait pas, quoi. Giovanni, je te jure. Je t'assure pas, des fois. Ouais, franchement. Par contre, ça assure. Ça, c'est très sucré. Hein. Ouais, bien sûr, bah oui, c'est souvent tu feras très sucré. Fais attention, il y a une cuillère dans le fond. Ouais, ouais, ouais. C'est bon. Ouais, c'est très très bon. Et la route est parfaite. Oui. Certes, il n'y a pas grand chose à voir sur cette route. C'est vrai. Mais les paysages sont sympas. Je mettrai des cartes, donc je vais expliquer. Il y avait deux itinéraires possibles. Soit la nationale, la QL1 ou QL1A, je ne sais plus. Ou alors l'itinéraire que nous avons emprunté, avec le col et tout ça. Mmh. C'est beaucoup plus long, mais c'est plus sympa. En tout cas pour nous déjà. Oui. Bah du coup, on espère que pour vous aussi. Et oui, et oui. Par tranquillement contre, installé dans votre canapé. C'est sûr que point de visite, à part peut-être encore une plage, ce sera tout avant l'arrivée. Ouais, il n'y a pas grand-chose. C'est à l'arrivée que ça va donner. Ouais, ce sera pour demain. Depuis des kilomètres sur la partie droite de la route, ça pourrait être sur la partie gauche, ce serait pareil. Hein. Il y a des édifices comme ça. Il me semble, sans dire de bêtises, que ce sont des tombeaux, certainement familiaux vu la taille des édifices, c'est énorme. Mais il y en a partout, donc c'est très sablonneux. Je pense que ce sont des cimetières ouverts en fait, parce qu'il n'y a pas de portail. Et parsemé dans la nature. Puis même, tu as raison, tu parles de cimetière, mais ça fait deux jours, on n'a que ça, on longe Danang, des cimetières, des milliers de tombes. C'était pas pour aller à Danang, c'était pour aller à Hoi An. Sur des kilomètres et des kilomètres, vous allez voir les images, ça se passe comme ça, dans le sable, des tombeaux, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Grâce à ces animaux, on va pouvoir porter des briques pour construire... Des sacrées briques. C'est là où Google Translate a toute son utilité, maman. Hein. Okay. Yeah. Alors c'est pour une seule personne, en fait. Ah, c'est pas familial, alors. Non, pas du tout. Wow. Okay. Bye. On s'est arrêté vite fait, on est centre-ville, donc ça ce sont les maisons d'habitation. Ici c'est Wiki. Et en plein centre-ville, on trouve comme ça, comme des pagodes, donc il y a une grille. Et derrière, on retrouve la même chose que dans le cimetière, mais c'est immense, immense. C'est incroyable. Et il y en a partout en ville. Partout sur la route, on a vu ça, on a vu le cimetière en lui-même. Là, sacré travail, hein, tout en mosaïque, hein, comme le temple, comme la pagode ouais. À Balat. Oui, c'est ça. Et il y en a tout du long. Ouais. Ah ouais, il ouais, n'y a que ça. Si on fait 50 mètres, il y en a une autre. C'est pas là qu'on va s'arrêter. Non, ils ont tout privatisé. Ouais. C'est terrible, on peut plus s'approcher de la mer sans qu'on nous sollicite pour mettre le scooter sur un parking, s'asseoir à un bar. On a fait 5 entrées et à chaque fois au bout c'est comme ça. C'est la merde. Bon, ouais, c'est pas grave, hein. Direction l'hôtel. Thank you.
Mais dis donc, on est dans la verdure. Oui, on y est. C'est UE Eco Homestay. C'est ouais. Ça. Là, on fait dans l'environnement et dans le recyclage. Regarde. Ah oui, exact. Et il me semble que tout est un peu comme ça, derrière la déco. Toi aussi, regarde. Ouais, la déco et tout, tout va être un peu dans ce style. Alors, on nous accueille déjà, ça y est. Bienvenue dans cet éco-hôtel. Et oui, ici, tout se recycle. Une capsule de je ne sais pas quoi. Voici la chambre, un grand lit double, une petite décoration, donc que du recyclage, hein, comme vous avez vu, les petites lampes de chevet. Donc ici, monsieur, là-bas. Ici, madame. Madame, chacun sa place. Oui. C'est sobre, il n'y a pas de fenêtre, mais il y en a une dans la salle de bain, par contre. Donc vous voyez, la tringle, c'est fait en bois. On va vous faire un petit tour du propriétaire quand même, ça va vous aider. Salle de bain, donc tout recyclage. Tac, 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 tac. Toc, 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 tac, tac, tac. Nous payons pour cette chambre 11 euros et deux brouettes la nuit. Nous allons rester deux nuits. Nous sommes à Huée. Notre chambre est ici. Ici, il y a salle de bain. Et puis, c'est commun puisqu'il y a des chambres. Attends, parce que je trouve ça, c'est pas mal ici. Regarde ça. C'est cool. Il y a des chambres sans salle de bain, c'est pour ça que ouais, c'est ouais, commun ouais. Ici. Oh, pour faire la balancelle. Super, et un petit espace extérieur. Bon, c'est sympa, hein. Non, c'est bien, c'est bien. Ah, on va faire sécher le linge. Ça donne pas sur la rue, on va être au calme. Bah, surtout qu'elle est en travaux. C'est mignon tout ça. Regardez. Donc beaucoup de recyclage. Ça, c'était une porte, nous a-t-elle dit, qui vient de chez ses parents. Ici, recyclage également. Tout n'est pas recyclage, hein, on est d'accord. Mais le lustre. Et oui. Les horloges faites avec d'anciennes bouteilles en plastique. Et ben voilà. Une histoire. Ce ne sera pas une pagode aujourd'hui, ce sera une cathédrale. Pas n'importe laquelle, la cathédrale d'Hué, la cathédrale Foucam. Elle est là. On la doit pas aux Français celle-ci, hein. T'as vu un peu, très très moderne. Elle date commencement, début des années 60. Il y a 40 ans pour la construire. C'est quand énorme. Même, ouais. Bah oui, parce qu'il s'est passé tellement d'événements que ça a toujours retardé. Donc début en 1960 on peut dire, mais en 63 coup d'état. Du coup, ça s'arrête. Ensuite, en 68, c'est l'offensive du Tet. Des bombardements, donc elle a chargé un petit peu, ça s'arrête. En 75, la chute de Saïgon. On arrête encore une fois. Et en fait, on a terminé la construction de cette cathédrale que dans les années 2000. Ah bah c'est pas si lointain. Non, non, mais l'intérieur, j'ai vu, ça fait comme des arches. Ça a l'air d'être magnifique. Yes, papa. Yes, papa. J'ai décidé de terminer au bord de l'eau, la rivière des parfums. Et c'est pas mal, je trouve, pour finir la vidéo. Oui, attends, il y a un dragon. Où ça? Là. Ah oui, il y en a même deux. Oui, deux. Magnifique. On n'est pas bien à la fraîche dans ce petit parc. On est surtout au calme. Il n'y a oui, pas trop de bruit. Ça, ça fait du bien aussi. La circulation est juste derrière, mais bon, ça va quand même. On a le soleil qui est en train de descendre tranquillement là. Oh, c'est beau.
Hey, on est un bien, petit on est bien. Jus d'orange pour reprendre des forces. Belle journée encore. Ah oui. On a roulé, ça a été, c'est tranquille quand même. 150 bornes, je pense à peu près, hein, je suis pas sûr, mais on est dans ces eaux-là. Ouais, à peu près. C'était très très bien. Je suis fatiguée, donc du coup j'ai plus rien à dire. Eh bien, il faut que tu te reposes, parce que demain, c'est encore une sacrée journée qui nous attend. Oui, mais ce ne sera pas de la route, ce sera la visite de la ville de Huy. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Wiki, on est tout bon? Pour moi, c'est parfait. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit... Bonne nuit, les petits. Et oui, Nini, je suis fatiguée. Ben oui, t'as le droit, hein, quand même.